Yosh tout le monde, je m'appelle Mister Luffy, j'ai 14 ans et je suis fan de manga. J'ai commencé les mangas grâce à ma mère qui m'a présenté Dragon Ball Z. Ce manga là m'a marqué depuis mon enfance, depuis que j'étais à la maternelle. Donc on peut dire que c'est grâce à ce manga là que j'ai commencé les mangas, tout simplement. Aujourd'hui je vais vous parler de Belzébub. Alors je vais vous mettre l'opening, j'espère que je vais pas tomber en prison. Belzébub est un shonen, un manga écrit et dessiné par Yohei Tamura. Il est aussi publié dans le Weekly Shonen Jump. Ce manga est édité par Kaze en France et Shueisha au Japon. Bon, maintenant rentrons dans l'histoire. Nous suivons l'histoire d'un jeune lycéen de 16 ans du nom de Oga Tatsumi, qui est en seconde dans le lycée Ishiyama. Il est tellement cruel et sans pitié que tout le monde a peur de lui. Un jour, après avoir tabassé tout le monde vers le fleuve, un homme fait son apparition. Cet homme se sépare en deux et un bébé sort de son corps. Ce bébé se trouve être le fils du diable. Ce bébé se surnomme Kaiser des Amparana Belzébub 4, qui sera surnommé Baby Bell. Ce bébé, qui a peur de tout en étant aussi le fils du diable, a plusieurs pouvoirs qu'il ne maîtrise pas encore vu son âge. Il peut par exemple électrocuter une personne juste en lâchant une larme. Après, j'ai pas trop envie de vous spoil. Si vous lisez le manga ou regardez l'anime, vous allez voir tous ses pouvoirs. Maintenant, vu que Oga a ce bébé dans les pattes, il y a un inconvénient. C'est que si Oga s'éloigne de lui de 5 mètres, le bébé va commencer à pleurer et à électrocuter Oga. Ce qui va peut-être ramener Oga à la mort. Et depuis ce jour, une femme du nom de Hilda, de son vrai nom Hildegarde, fait son apparition. En fait, c'est la nourrice de Baby Bell. Elle est revenue du royaume des démons pour chercher Baby Bell. Mais celui-ci devient trop attaché à Oga. Cette femme, du nom de Hilda, a dit à Oga qu'il a signé un contrat avec Baby Bell. Mais sauf que Oga n'était pas d'accord et ne voulant pas assumer ses responsabilités paternelles, il refuse et il veut donner ce bébé à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui soit plus cruel et plus méchant que lui pour que Baby Bell accepte la personne. Donc, pour trouver quelqu'un pour Baby Bell, il part dans son lycée. Et il trouve les 4 plus grandes racailles de son lycée, Himekawa, Kanzaki, Tora ou Tojo et Kuneda. Alors, Himekawa, un mec fortuné qui croit que l'argent, ça fait tout. Kanzaki, un mec qui aime bien boire du yaourt et qui croit que tout le monde sont ses chiens. Tora, un mec musclé qui ne pense qu'à se battre. Et Kuneda, qui est aussi une belle fille, qui est aussi une épéiste qui combat avec un katana en bois. Et la dernière personne, l'ami de Oga qui s'appelle Furuichi, un gros pervers qui veut que se taper Kuneida ou Hilda. Donc voilà. Alors lui, c'est pas une racaille du tout, c'est une grosse. Il a peur de tout, ce mec. Donc voilà. Alors maintenant, nous allons parler du manga et de l'anime. Alors l'anime est bien fait, mais la fin, on va dire que. La fin, c'est pas pareil que le manga, parce que le manga, ça continue toujours. Alors, les dessins du manga, je les trouve
un petit peu mal fait quand même. Je vais dire, mais c'est que moi qui pense que ça. Voilà. Moi, j'aime bien l'animé, mais après, j'étais obligé de continuer le manga grâce au manga, grâce au scan, quoi. Voilà. Voilà, les amis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Likez, partagez, commentez, comme vous le voulez. Mais j'espère que cette critique, entre guillemets, vous a plu et cette présentation, parce que c'était presque les deux, quoi, vous a plu. Allez, ciao tout le monde.